Un jour au fond des mers. La semaine dernière, elle n'a pas trouvé où ça va le deux. Tu viens faire, tu fais un petit tour là, juste te montrer, qu'on sache qui tu es. Benten de la SG, voilà. Tu sors un peu du groupe, c'est bien. Estélé, ils sont les deux frères Estélé, allez venir ensemble, les jumeaux, les Estélé. On vous demande, tu viens, tu fais un petit tour, Estélé, tu te présentes au public, savoir qui vous êtes. Vergès également. Vergès de l'ACT qui lui, je crois, il court en vétéran. Vergès. Il est là, Vergès, non, pas encore là. Et après, il y a la Montagnol. Montagnol, tu t'avances aussi, s'il te plaît. Va, tu fais un petit tour, qu'on te voit. Allez, un petit tour. Voilà, voilà, qu'on sache qui tu es, Montagnol. Arturo aussi, du Piste Club Starbé, il est là, Arturo. Merci, Arturo. Barozzi aussi, qui est junior, qui nous vient de l'élever. Il est là, Barozzi. Barozzi. Allez, tu nous fais un petit tour, va, qu'on te voit, toi aussi. Il a mis le casque intégral, et t'as raison, parce que quand on tombe, ça fait du mal. Voilà, Barozzi qui est là. Lucas, les deux frères Lucas. Un qui court à Campan-Vallée, qui a muté dans cette année. Il est là. Voilà. Hein, les deux, ils arrivent, les deux frères. Ils courent en vétéran, et ils se tirent à la bourre, voilà. Michel avec le maillot rouge, et Raymond avec le maillot bleu, qui vient de Campan, le numéro 14 de Campan. Rouge, lui aussi, il sera pas loin de Gueule. Pas loin de la victoire, on rira, un dangereux adversaire. Jonen Daniel, de Villefranche, c'est un Toulousain, ça, voilà, c'est un jeune. Il est junior, Jonen, non? Non, qu'est-ce qu'il est, Jonen? Troisième catégorie, voilà. Il vient de l'homme de Toulouse, Deltey, de Fonsorbe, un vétéran aussi, Deltey, il est là, qu'on puisse l'identifier. Voilà, Deltey, qui vient nous voir aujourd'hui à Libos, c'est très gentil. Jonen Elian, de Villefranche, voilà. Lui, c'est un habitué de cyclocross, vous voyez. C'est un vieux de la vieille, il est déjà venu à Ibos. Vautier Blasca, il est là, Vautier, tu fais un petit tour, Vautier, qu'on te voit. Il est là. Taron, qui lui est troisième catégorie, c'est vrai, il est monté de catégorie. Coustaro, tu viens nous voir, un peu, tu fais un petit tour, qu'on puisse. Allez, voilà, un nouveau vélo pour le cyclocross. Sébastien, qui est junior, lui, seconde année, qui lui, je crois, il a un mountain bike aussi, pour la catégorie, je crois, des jeunes, des juniors, c'est ça, messieurs, ils courent avec les cadets, même catégorie. Non? Non, avec tout. Ah, c'est que les minimum. Bon. Dessa d'Amou. Dessa, il est là, Dessa. Voilà, Dessa, il vient d'Amou, c'est les Landes, c'est les Landais. Et il est déjà venu, il vient chaque année, lui, il connaît le parcours d'Ibos. C'est Lubet, c'est son compatriote. Il est là, Lubet. Lubet, voilà, ouais, d'accord, tu restes là. Pour la passe le premier, en catégorie jeune, Montagnol, c'est un coéquipier de la SEG. Je vois les coureurs qui commencent à se frotter les jambes, ils ont froid, on va partir de suite. Montagnol, Perrier. De la SEG aussi, voilà un petit tour. Rock, les deux frères Rock de la JAB. Voilà, ah, ils sont pas là. Voilà, tout le monde essaie de se placer le mieux possible en bout de ligne, parce que là-bas, ça va se resserrer. On va voir qui c'est qui passe, le tour. Devant Alenguen, il y a trois Toulousains devant, à vous, Riora, je l'avais annoncé. Voilà, alors je viens de Alenguen, ils sont trois jeunes de la SEG pour la première place dans le cadet. Voilà, je crois que le tour d'Amour, qu'est-ce qu'il a fait le 25? Il a crevé, il lève le bras, le 25, c'est Lubet d'Amour, attention, là je sais pas, il a eu un peu. Il y aura qui a du mal, peut-être un peu pour revenir, il était plus près tout à l'heure. Alenguen qui fait le forcing, il veut prendre quelques mètres d'avance, je crois que c'est chose faite, parce qu'il y aura un petit incident. Et Jeunet qui a pris dans la troisième place actuellement, qui se rapproche. Voilà, ça c'est en train de se jouer, je crois, à ce tour-ci devant mon Dieu, donc la première place, il faut faire le tout pour gagner de suite. Riera, lui, il faut qu'il rentre de suite. Allez, Daniel, allez. Voilà, Gaël qui repart. Il y a du mal un peu. Allez, David. Riera qui se rapproche. Jeunet en troisième position, le Toulousain. Le quatrième, c'est Dessa d'Amour, le Landais. Le cinquième, c'est Lucas et Ferrari qui a fait un très joli retour, qui se retrouve dans la sixième place. Il va passer Lucas, voilà, c'est pas une autre chose de faite. Il va basculer en tête de la butte, voilà derrière Dessa. Et il se rapproche, en prenant une envie de la troisième place, je pense. Le tour prochain, voilà, il est déjà quatrième. Il est quatrième, Ferrari. Je pense que le prochain tour, il sera troisième. Voilà, Alenguen, il a fait le trou. On peut l'applaudir, il est parti. Il a une Daniel. C'est maintenant, et il se rira, c'est un pouvoir expérimenté. Il a l'habitude des courses de cyclocross. C'était l'an dernier en championnat de France, c'était bien classé également. Allez, rira, il a mis le gros plafond, et Gaël aussi, il se bat. Voilà, Gaël, il est là, il passe, le numéro 1, le meilleur de champion de France. Et rira aussi, qui nous...
Guerra est en bonne position. Et David, ça y est, il est le quatrième, lui. Il est en train de revenir sur Durvel aussi, qui fait une très belle course. Durvel, là, il me peine. Avec Guiraud qui passe également. Le Toulousain Guiraud, le numéro 20, qui vient, dans, je crois, d'Hauterive. Il court à Hauterive. Voilà, Jonin. Attention, il y a du monde qui revient sur toi. Allez. Voilà, David Ferrari qui passe ici, suivi de Lucas. Suivi donc de Dessa qui paye un peu ses efforts, il est parti un peu vite peut-être. Et Durvel qui fait un joli retour. Parce qu'il a voulu la métal, il faut que la pointeuse veut son métal, il a voulu suivre Gell. Et je crois que Alain Gell a fait un gros trou ce tour-ci. On va continuer. Voilà, il arrive, il sort là-bas. Riera dans une seconde position. Gell qui entame déjà la butte. Voilà, c'est fait. Chez les cadets. Allez, Montagnol. C'était une super course
c'est assez dur, il fallait quand même conduire pas mal dans un parc à l'entrée de la voilà, à l'ingé de la canne à son sommet, si l'on de la voilà. On a fait une trèfle dans le parc de la là-bas, en voilà, c'est là qu'il arrive à la maison. Allez, monsieur, on ne peut pas trop s'avancer. Voilà. Allez, c'est parti. Jolene va se faire attraper par le cas. Passe. Laissez passer. Il est passé Jolene et il est parti. Jolene s'est mis un coup à la cheville en passant sur le... Voilà, bien. Jolene qui a les avis de son bleu. Vous voyez qu'il avait la fringale, non ? C'est même avec les bidons. Sourire. Allez David. Souris. Allez David, allez. Voilà, Gaël qui passe là-bas, il lui reste combien hein? Il va lui rester 25 minutes de course en gros. Ah, il peut reculer, il y a des petits problèmes là-bas, en remontant, ça peut devenir un petit arrive. Ce petit passage, difficile à négocier. Allez, voilà. Allez, championnat qui termine le second.
Ah, il est là, papa. Ah, oui.
quoi, t'as vu? C'est fini, hein? Ouais, c'est bon. On va pas perdre le temps, hein. Mais il passe plus là-bas, hein. Moi je me la marche. Oh, ils sont propres. Moi j'aurais pu. J'ai même pas couru. J'aurais pu les laver. J'ai même pas couru. Oh, ils peuvent. Plaisir, c'est 5 minutes même chez Lendart. C'est un classement qui se fait par points, alors sur 5 courses. Je crois qu'on a marqué les points aujourd'hui d'ailleurs.
Donc, le titre est en jeu. Ah, bon, et bien c'est tout le monde qu'on te souhaite. À Riera aussi, on le souhaite, parce que Riera, c'est un très joli courant, de bien vous bagarrer. Allez, mademoiselle. Ah, qu'est-ce que tu veux comme flore? Voilà, allez, une autre petite bise. Et vous restez là, demandez-moi. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'elle se déplace de Seignac. Allez. Ah, voilà. Et il faut mettre le chapeau, c'est le plus joli au chapeau. Voilà. Alors, je ne sais pas si on nous entend dans les sous-bois, la sonorisation est absolument parfaite, mais est-elle suffisamment marée à froid comme ça par un sprint? Voilà, ici, oulalalala, quelle entrée là dans le sous-bois, c'est... Bien dites-moi, il a pris quelques risques là, le jeune pas... ...qui vient en seconde position, et il y a voici Alain Dain, le 103, pas se surveiller de très près, là nous avons le coup... Qu'est-ce qu'il y a au dérailleur? Avec Patrick, ça continue maintenant avec le maillet Lagière dont je vous parlais en compagnie de Frédéric Perriot et de Fabrice Mallet. Le 15, le 12 qui suit, le 7 et le 105. Nous avions donc là le Tellier, Durvel, ensuite Frédéric Estelé, Bruno Montagnol, Thierry Estelé, Michel Dantin, en compagnie du 110 également, Fabrice D'Artagnan. Voilà donc là, les coureurs qui passent maintenant avec encore le bois, mais j'aperçois là-bas des coureurs qui arrêtent à la fin de ce premier tour. Donc, on va... Allez, allez, pas loin, yes. Allez. Allez, Patrick, allez, allez. Il est passé, allez, David, allez, David, allez. Allez, David, allez. C'est bien, David. Allez, David. Allez, Patrick, allez. Allez David, allez Vignon. Allez les gars, tous les deux, allez. Allez David, c'est bien, allez, allez David, allez. Oh là, allez, accroche. Allez Patrick, allez David, allez, c'est bon, allez. De la Chia Porter. On va demander maintenant à des organisations, des femmes qui vont venir, de ne pas oublier de préciser que le 8 janvier, le 8 janvier est organisé. Il était monté par là. Il est sur la bosse de la vigne, hein.